Madame Bonner. Alors attendez, mes chers collègues, on a tous compris, on sait ce qui va se passer. Alors je vais vous demander, ne serait-ce que pour montrer que les députés méritent d'être respectés, je vais vous demander, mes chers collègues, je vais donner la parole à Madame Bonner et je vous demande de vous garder d'exprimer toute manifestation pendant ces 2 minutes. Madame Bonner. Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Ministre. J'aimerais pouvoir défendre en toute sérénité cet amendement de suppression. Madame Bonner, le temps se découle. Monsieur Ribérotte, vous avez été le premier à vous exprimer. Voilà, nous allons faire la démonstration à Madame Bonner que les parlementaires sont des êtres responsables et nous allons vous écouter. Voilà. Monsieur Ribérotte, allez. Oui, Monsieur Ribérotte, merci. Soyez silencieux. Madame Bonner, le temps se continue à défiler, hein, de toute façon. Merci, Monsieur le Président. C'est fort dommage que le temps continue à défiler parce qu'il est cet amendement de suppression. Je souhaitais le défendre parce qu'au fond, quelle société sommes-nous en train de construire pour nos concitoyens et les générations futures? Ce pass sanitaire, il n'est pas en train d'opposer des personnes vaccinées contre des personnes non vaccinées. Et on a pu le voir justement dans les rues de notre beau pays, puisque tous ensemble, les citoyens se sont retrouvés pour manifester pour les libertés fondamentales et pour les droits fondamentaux. Depuis mars 2020, ce gouvernement divise. Depuis mars 2020, alors je suis très surprise. Non, Madame Bonner. Du spectacle. D'accord, le temps défile, je vais vous couper la parole dans 20 secondes. Alors poursuivez. Est-ce que vous avez conscience ici que je suis autant menacée, voire plus menacée, tous les jours depuis 18 mois? Est-ce que vous avez cette conscience-là? Ce pass sanitaire va stigmatiser la population. Quelle raison? Pour le bien de la population? Absolument pas. Le pass sanitaire va très rapidement mettre au banc de cette société des personnes qui auront fait un choix différent. Merci, Madame Bonner.